Bonjour à toutes et tous. Oh là, ça marche, c'est formidable. On m'a demandé de vous rappeler qu'il y a, comme tous les samedis, notre université populaire ce samedi, et qui porte en particulier sur les questions culturelles. Et donc, ça vaudrait le coup que vous jetiez un œil sur la présentation et que vous puissiez éventuellement vous y inscrire. C'est un moment quand même particulier parce que on prend le temps pendant toute une journée d'approfondir une question et c'est différent d'une rencontre qui, par définition, ne peut durer qu'une heure et demie. Et voilà. Donc, c'est un livre très... très particulier que nous présente Yves Aubin de la Messuzière aujourd'hui. C'est évidemment pas la première autobiographie d'un diplomate français. Il y en a eu pas mal d'autres. C'est souvent, sans en citer en particulier, mais je pense à quelques-uns, des exercices plus ou moins nostalgiques de mise en valeur de la personnalité de l'auteur et évidemment de ses hauts faits diplomatiques. Ça n'est pas du tout le cas, mais pas du tout avec le livre Profession diplomate que nous allons présenter aujourd'hui. Évidemment que les 4 décennies qui sont couvertes par le livre sont bien pleines, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez travaillé dans nos ambassades à Amman et à Sanaa, puis vous avez été ambassadeur à N'Djamena, à Bagdad, à Tunis et à Rome. Finir au Palais Farnèse, c'est quand même magnifique, pas passionnant, mais magnifique. Vous avez aussi été, je le signale parce qu'on l'oublie, même nous, dans la présentation qui a été faite de cette séance, chef du service des affaires francophones, directeur de la coopération culturelle et linguistique à la Direction générale des relations culturelles, et surtout directeur de la section Afrique du Nord-Moyen-Orient du Quai d'Orsay. Et depuis, vous avez été président de la mission laïque française. Quand on lit le livre, ce que j'ai fait, comme toujours, avant de vous recevoir, je ne me contente pas de fiches de lecture faites par un collaborateur ou une collaboratrice, comme certains grands responsables d'émissions consacrées au livre, que je ne citerai pas non plus. La lecture de votre livre nous entraîne vraiment dans un tourbillon. Quand on est un lecteur attentif. Alors d'abord, on voit que vous travaillez sous un grand nombre de présidents et un encore plus grand nombre, évidemment, de premiers ministres, dont vous faites ici ou là le portrait. Parfois, c'est un peu croquignolé. Vous rencontrez, la liste n'est absolument pas complète, mais c'est pour donner une idée, Idriss Déby, Saddam Hussein, Tarek Aziz, Hafez et Bachar el-Assad, Kofi Annan, Hillary Clinton, Madeleine Albright, Ben Ali, bien sûr, puisque vous avez été ambassadeur à Tunis, Mohamed VI, avant qu'il le soit roi et après, Bouteflika, c'était le moment ou jamais de le dire, parce que voilà, Ali Benflis, quand même, qui sait, Sangor, Leila Fachaïd, à qui vous lie une amitié durable. Ehud Barak et Ariel Sharon. J'ai mis un « et » parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points communs, finalement, entre les deux. Mahmoud Abbas et Ismail Haniyeh. Voilà. Rafik Hariri. Enfin bon, on peut faire une longue liste. Mais l'essentiel n'est pas là, c'est ça que je voulais dire. L'essentiel, c'est un livre de double réflexion, je dirais. D'abord sur le métier de diplomate. Qu'est-ce que c'est être diplomate? À quoi ça sert? Comme le dit le titre de la rencontre, mais aussi sur la politique extérieure française et le rapport entre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un diplomate apporte à la politique extérieure française. Et dans les deux cas, vous plaidez pour une diplomatie de profondeur, pas une diplomatie seulement réactive, bon, elle l'est forcément, mais une diplomatie qui essaye de comprendre ce qui se passe dans les différents pays, dans les différentes régions, pour que la France puisse être un acteur majeur au fait des réalités. C'est dire évidemment l'étendue des thématiques qui sont traitées dans votre livre, et c'est pourquoi je vous propose, si nos amis en sont d'accord, de modifier la règle du jeu habituelle de nos rencontres, puisque la règle du jeu, c'est que l'auteur est un long moment d'introduction de l'ordre de 35 ou 40 minutes, après quoi on passe aux questions directement. Je vous propose, si vous en êtes d'accord bien sûr, d'être plus bref dans votre présentation, plutôt de nous dire pourquoi vous avez fait ce livre, ce qui me permettra, ayant lu le livre, ce qui est mon avantage par rapport à d'autres amis ici présents, de vous poser un certain nombre de questions précises à partir de certaines pages du livre et certains problèmes qui y sont évoqués. Avant de vous donner la parole, je rappelle donc que votre carrière, je l'ai dit, que vous avez, avant Profession diplomate, un ambassadeur dans la tourmente, écrit un livre qui s'appelait Monde arabe, le grand chambardement, qui est aussi chez Plon en 2016, qui vous a valu le prix 2017 des géopolitiques de Nantes, et un livre qu'on avait présenté, non pas d'ailleurs ici, mais dans l'autre local antérieur de l'IREMO, qui s'appelait Mézanet Ben Ali, un ambassadeur de France en Tunisie, en 2011. Voilà donc un peu l'entrée en matière. Je vous passe donc la parole pour présenter le livre, et puis j'essaierai ensuite de vous mettre un peu sur le grill. Voilà. Bon. Bien, merci Dominique, merci à l'IREMO de m'avoir invité pour présenter ce livre. Alors je vais commencer par dire pourquoi, le pourquoi de ce livre. D'abord, je tenais déjà depuis quelques années à écrire un livre sur la profession et à travers une partie de mon expérience. Et alors l'éditeur, parce qu'autant le grand chambardement, c'est une nouvelle collection, c'est une commande en fait. Hein. Et dans le cadre d'une collection où il y a aussi d'autres auteurs intéressants sur la politique extérieure en général, hein, et la diplomatie. Et alors, il avait trouvé que c'était un peu sec et pas vendable, on peut le comprendre, hein, de la part d'un éditeur. Alors, il m'a dit de trouver un sous-titre. Alors je l'ai trouvé moi-même, dire un ambassadeur dans la tourmente. Bon. Alors j'ai pas été toujours ambassadeur, mais quand j'étais chef de poste diplomatique, j'étais effectivement... C'était très passionnant, c'est là où on voit le cœur du métier. Et parfois difficile, mais sans que j'ai de problème de sécurité particulière, contrairement quand on est ambassadeur à Bagdad actuellement, on est accompagné par le GIGN. C'est pas le cas, parce qu'au moins avec Saddam Hussein, à l'époque, on était totalement protégés. Je n'avais pas de garde de sécurité, sauf la sécurité, disons, classique des ambassades. Et alors le déclic est venu, on peut dire c'est grâce à Nicolas Sarkozy et à Henri Guénaud. Parce qu'au lendemain de l'émergence de ces printemps arabes, qui sont plutôt... Je n'aime pas cette expression, mais enfin bon, ou les révolutions, ou les révoltes, d'abord en Tunisie et ensuite en Égypte, il y a eu des propos du président, et pour dire... Ben parce que tout le monde a été surpris, et pour dire « ces diplomates qui n'ont rien vu venir ». Je le cite, « ces diplomates qui n'ont rien vu venir ». Alors aussitôt, donc, j'ai écrit une tribune dans Libération pour dire ben, l'Élysée était informé. Et j'en donnais, disons, les preuves. Et après, ce sont les politiques qui décident, effectivement. Mais pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, j'ai toujours privilégié dans ma carrière, et puis surtout en Tunisie, les analyses de fond. Et les analyses aussi prospectives. L'anticipation, c'est le cœur du métier d'un diplomate. Et la plupart des ambassadeurs le font, surtout dans des zones de crise, que ce soit le Maghreb, le Machrek, et puis il y a aussi d'autres... Et il se trouve que j'avais en Tunisie une équipe formidable, parce que j'avais Jean-Pierre Filiu, que vous connaissez, professeur à Sciences Po, et qui vient la semaine prochaine. Il vient d'écrire un livre très intéressant sur Netanyahou, et qui était mon premier adjoint. Et puis j'avais aussi Jean Annoyer, que certains connaissent peut-être, qui vient de la recherche. Il était le directeur du... pas du CEDEJ, de... c'était à Beyrouth. Enfin, il venait de la recherche, il a été intégré... Donc on avait une capacité d'analyse. Moi-même, je m'y intéressais. Puis je leur ai dit, bah, écoutez, essayons de réfléchir sur la Tunisie à l'horizon de 2010. Nous étions en 2004, donc pas très loin de 2011. Et on a publié, on a diffusé plusieurs télégrammes. Et j'ai eu l'autorisation, d'ailleurs, de les publier en 2011 dans le premier livre, Mézanet Ben Ali, qui a été publié dans... C'est un éditeur tunisien. Montrer qu'on avait vu beaucoup de choses. Premièrement, que Excusez-moi, il faut préciser qu'un télégramme, ça peut être très très long. C'est pas oui, comme le télégramme que nous faisons, nous. Enfin, que oui, oui, mais justement, je reviendrai. C'est que maintenant, on est plutôt, parce qu'on est dans le temps court plutôt que dans le temps long. C'est ça, je fais une réflexion sur le temps court, le temps long. Et en diplomatie, ceux qui tweetent, disons, de manière fébrile, en 40 signes, c'est peut-être Trump qui a montré que c'est le modèle. En 40 signes, est-ce qu'on peut expliquer une position? Certainement pas. Et c'est pour ça que, encore actuellement, ces analyses de fond m'apparaissent. Donc, il y a eu ces deux télégrammes qui montraient qu'on a vu beaucoup de choses. En 2010, ce serait difficile Ben Ali s'il n'y avait pas d'ouverture. Et puis aussi que l'alternance, elle serait islamiste, ce serait nada. Alors, on n'a pas vu le scénario tel qu'il s'est déroulé. Personne ne pouvait le prévoir. C'est l'écroulement du régime sur lui-même, c'est ça. Et alors voilà. Donc, ça a été premier déclic. Et l'autre, c'est quand il y a eu cette excellente bande dessinée, Quai d'Orsay, je ne sais pas, vous l'avez vu, le film moins bon, je trouve, eh bien, on voit un ministre inspiré, Dominique de Villepin, dans les dorures du Quai d'Orsay, que certains connaissent, avec un excellent cabinet, donc aussi. Et puis, on parle de... Donc il a fait ce discours, donc ça reste dans les mémoires de tous les diplomates, c'est le discours de 2003. Au moment de... Moi, j'étais ambassadeur en Tunisie, donc je n'étais pas un acteur. C'est pour ça que j'en parle beaucoup dans ce livre-là, pour montrer qu'est-ce qui se passe, disons, derrière. Tout le réseau diplomatique a été mobilisé. Et aussi le Quai d'Orsay, il y a eu un travail extraordinaire. D'ailleurs, ça mériterait un livre particulier, comment on est arrivé à ce discours qui a permis d'isoler les Américains. Parce que pour eux, mais ça a été une humiliation. Ils n'ont même pas pu déposer leur résolution puisqu'ils n'avaient pas la majorité. Et notre rôle, pour éviter le veto, qui est un acte grave, eh bien, on les a isolés. Ils n'ont pas pu présenter leur... Alors voilà, c'est ça qui a été le déclic qui m'a amené donc à écrire... je ne vais pas décliner l'ensemble des chapitres parce qu'on aura l'occasion d'en parler à travers les questions. Et pour montrer ce qu'est véritablement le métier. Alors évidemment qui peut changer quand on est à Bagdad, qui a été sans doute professionnellement le poste le plus passionnant, le plus... Et puis nous étions un acteur principal pour essayer de favoriser, disons... La levée de l'embargo, même si ça n'a pas débouché pour différentes raisons. Ça n'était même pas une ambassade. Hein. Oui, alors j'étais chef de la section des intérêts. Alors vous savez, souvent en diplomatie, on dit « Mais comment tu as déjà été ambassadeur, tu as été directeur d'administration, comment tu acceptes d'être chef de section ?» Mais je dis « Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est la mission. C'est pas une ambassade à 5 étoiles. » Alors pour venir à la fin, donc je parle d'un chapitre qui s'appelle « Au Farnèse » parce que quand on vous nomme ambassadeur arabe, j'avais commencé par refuser. Et n'étant pas été hellénisant, on dit on ne refuse pas le Palais Farnèse. On ne refuse pas le Farnèse. Puis je dis mais moi je ne suis pas accrédité auprès des Farnèse. C'est une dynastie qui a disparu, c'est auprès de l'État. Alors bon, et là on peut s'interroger sur le métier parce que d'un ambassadeur, c'est nécessaire, c'est utile, mais c'est moins passionnant. Et puis un ambassadeur n'est pas véritablement l'acteur au cœur de la relation, disons franco avec les pays européens. Et il peut jouer un rôle tout à fait important, notamment médiatique. C'est pour ça que c'est une erreur de m'avoir nommé, je le dis à la fin, parce que je n'étais pas italienisant. Donc j'avais un handicap. Ben, il est difficile de le rattraper. Mais enfin bon, c'était quand même intéressant sur le plan culturel. Ça, je l'explique. Et enfin voilà, c'est pour vous dire. Et alors maintenant, on peut s'interroger sur l'évolution du métier. Ça, il n'y a pas de doute. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Alors c'est une chance, mais à la fois il y a là un risque, parce que les politiques, on le voit bien, c'est comme parfois les diplomates, ils s'alimentent sur ce que l'on lit dans les réseaux sociaux. Et c'est là ben, on peut tomber sur ce qu'on appelle les fake news. Alors le rôle d'un ambassadeur, là, actuellement, par rapport justement au développement extraordinaire de ces réseaux sociaux, moi j'ai vu, peut-être pas les nommer, au moins 2 ministres qui ne lisaient plus les télégrammes, qui étaient toujours sur leur portant, on ne pouvait pas leur parler, là, quand on était en voiture avec eux, et qui, et alors au détriment de la sécurité, et qui, on leur envoyait au moins quelques notes, et puis ils étaient, j'ai bien vu, sur les réseaux sociaux, pour dire, ah, ben tiens, monsieur l'ambassadeur, voilà ce qu'on me dit. Alors, pour revenir, disons, au rôle d'un ambassadeur, ben, c'est le rôle de représentation, bien entendu, classique, et puis les codes sont les mêmes dans toutes les diplomaties hein, internationales, les codes, la représentation des lettres de créance, etc. Il y a la Convention de Vienne, plus ou moins... appliqué. Là, j'ai eu des difficultés en Tunisie parce que je rappelais à la fois la Convention de Vienne qui nous permet d'être en contact avec l'opposition, la société civile. Et puis, ben, moi, ce que je dis, c'est un terme que je reprends. Je ne sais pas si Denis Bochard est là. Il avait dit qu'il serait là parce que je lui dois... Il a fait beaucoup de notes intéressantes qui ont été diffusées, je crois, dans des revues sur l'évolution du métier. Et le diplomate et l'ambassadeur est avant tout un décrypteur de situation. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut... il doit anticiper. Regardez ce qui s'est passé. Je vais vous dire, alors autant Sarkozy, là, il se fiche complètement de la vie des diplomates, ce qui n'était pas le cas de Jacques Chirac. On peut en, je crois qu'on va en parler là tout à l'heure. Et Emmanuel Macron, c'est très intéressant ce qui s'est passé parce que c'était dans les médias. Il a demandé que notre ambassadeur en Algérie, c'est un passionné d'Algérie, son deuxième poste d'ambassadeur, Driancourt, qui soit convoqué par le Drian pour qu'il y ait un brainstorming au sein du Quai d'Orsay pour expliquer la situation au moment du début, disons, de ces manifestations qui ont conduit à la démission de Bouteflika. Et après, Macron, comme il était, lui, en province, peut-être pour le grand débat national, eh bien, il a parlé pendant 1 heure avec notre ambassadeur. Ça, c'est un cas exceptionnel. J'ai jamais vu, disons, un président qui... Parce qu'il avait besoin de comprendre. Alors, je suis convaincu, moi, je n'ai pas lu, évidemment, les dépêches, que notre ambassade avait vu beaucoup de choses. Et puis, effectivement, le 5e mandat, c'était... bon. Et alors, voilà. Donc, ce rôle, de décrypteur. Et puis aussi, ça devient très professionnel, très professionnalisé, ce métier-là. Et c'est pour ça, regardez ce qui s'est passé tout récemment. Parce que, bon, je peux faire l'éloge de Macron parce que il demande l'avis des diplomates. Il le fait peut-être sur d'autres dossiers, ça je n'en sais rien. Mais d'un autre côté, vous avez vu là aussi cette nomination d'un proche de cet écrivain, comment s'appelle-t-il, Besson. Donc il y a un livre qui faisant l'éloge de Macron, il le nomme à Los Angeles. Mais Los Angeles, c'est une quasi-ambassade. Alors il y a le côté très brillant, parce qu'effectivement, on y voit tous les milieux, de l'audiovisuel, du cinéma, tout ça. Ça fait penser à Romain Gary, parce qu'à un moment, je pensais écrire un texte sur Romain Gary, qui, contrairement à ce qu'on croit, était un diplomate professionnel, véritable, et intéressé, passionné par son métier. Et un petit livre qu'il a écrit, qu'on connaît assez peu, et à Los Angeles notamment. Bon. Et puis finalement, c'est la CFDT qui a fait un recours. Et puis finalement, voilà, parce que les postes d'ambassadeurs sont à la discrétion du président. Je comprends que ça puisse se faire sans excès. Peut-être celui qui a le plus nommé, c'est Mitterrand finalement. Alors il y a eu des très bons, comme Éric Rouleau, qui travaillait comme un... Quand on est un journaliste dans le monde avec toutes les analyses qui... D'ailleurs, je crois que je fais référence à ces analyses des années 80. Il faisait un travail de diplomate. Et donc, j'ai lu ses dépêches, parce que j'étais l'un de ses successeurs à Tunis. Mais il y a eu d'autres erreurs de casting, à l'évidence. Et puis, ce Besson n'était pas du tout fait pour ce métier. Alors voilà, donc... voilà, j'en termine là, parce que j'ai déjà dépassé mon petit quart d'heure. Non. Non, mais c'est bien, j'aime bien que ce soit réactif avec vous et puis aussi avec la salle. Alors, on va commencer avec votre première aventure. Mais c'est une aventure qui a failli vous coûter la vie, quand même. Vous étiez depuis peu à Amman, dans l'ambassade. Vous étiez là depuis 6 mois, 8 mois. Oui. J'étais attaché culturel et attaché de presse. Culturel, voilà, c'est ça. Et attaché de presse. Et donc, vous êtes pris dans une fusillade. Les tireurs bédouins tirent sur des Palestiniens. On est juste avant Septembre Noir. Hein. On est à quelques mois, 2 mois du massacre de Septembre Noir. Et vous êtes touché. Vous prenez 7 balles. Vous vous retrouvez à l'hôpital. Est-ce qu'au fond, pas pour revenir sur Septembre Noir, mais est-ce que c'est pas un peu le symbole de votre tropisme arabe? Parce que vous vous en défendez, mais il y a quand même une continuité dans votre carrière de diplomate qui est une continuité arabe, même si vous avez fait quelques sauts ailleurs. Mais... Oui. En fait, je me destinais à être... je me préparais à l'agrégation d'arabe, en fait. C'était ça. J'étais... l'élève de Blacher et de Pella, qui tous les deux me disaient « Vous êtes fait pour l'agrégation, mais simplement, il faut 7-8 ans ». À l'époque, c'était comme ça. Ils disaient « C'est le tarif ». Et alors, j'étais pressé d'être autonome. Et puis, alors je suis en Algérie. C'est intéressant. J'étais professeur dans un lycée français. Qu'est-ce que j'enseignais? L'arabe. Et à qui j'enseignais l'arabe? À des Algériens. C'est assez cocasse. Et je faisais tous mes cours en arabe avec des ouvrages de grammaire en arabe. Et mon rôle consistait à les convaincre que c'était quand même intéressant de faire de l'arabe. C'était des jeunes, certains arabophones, d'autres pas du tout, parce que Kabyle, venu de France, et il y avait le retour de ces personnes, donc mariées en général des Françaises, et puis donc bon, c'était un travail de conviction. Alors, je ne pensais pas du tout à la diplomatie, mais nous étions en mai 68. Je suis un frustré de mai 68 parce que ben, nous n'étions pas... On était tous très agités. Il y avait des maoïstes, il y avait des trotskistes. Moi, j'étais engagé, mais dans aucune de ces factions. Et puis, on avait un général, puisque nous étions coopérants militaires, qui nous donnait des corvées. Alors, on est allé protester. Et puis, il se trouve que j'ai dirigé... Nous étions 1000 coopérants dans la région d'Alger. 1000. C'était fantastique. Et on voulait voir l'ambassadeur, c'était Georges Gorce, il était absent, délégation que, de facto, j'ai conduite. Et puis, le numéro 2 de l'ambassade me reçoit. Et qui c'était? Stéphane Hessel. Et c'est là où j'ai rencontré Stéphane Hessel. Et je ne sais pas qui il était. Et j'ai trouvé son langage. Il nous a écoutés. Il n'a absolument pas répondu sur nos revendications. Et puis, il nous a parlé de l'Algérie. Il nous a parlé de la coopération franco-algérienne. On l'a écouté. Et puis, je dis, tiens, c'est intéressant, un diplomate. Et donc, quelques jours après, j'étais voir l'un de ses collaborateurs, comment on rentre au Quai d'Orsay. C'est comme ça que je suis rentré au Quai d'Orsay, en étant déjà arabisant. Mais alors, à l'époque, quand vous passiez le concours, on vous envoyait directement en poste, qui dirait, j'ai aucune formation, aucune formation. Alors, c'était évidemment... Et alors, bon, puisque vous avez parlé, c'est là, donc, on revient au métier, c'est que j'avais un ambassadeur formidablement intelligent et plus jeune ambassadeur. Et ça, il n'avait de cesse de le dire, très talentueux, mais avec un ego surdimensionné. Et, ça arrive chez les ambassadeurs. Ça arrive, oui, peut-être aussi ce défaut. Et qui a commencé à me dire mon identité du corps d'Orient, parce que c'est une identité, finalement, ce corps d'Orient. Ben, écoutez, oubliez, vous ne ferez jamais carrière et vous passez l'ENA. Oh, vous avez certainement les capacités. Je lui dis, mais il n'en est pas question. Moi, je suis passionné du monde arabe. Effectivement, j'avais cette passion parce que j'avais quand même pas mal circulé. Et pas uniquement dans le monde arabe, aussi en Israël. Parce que je parle de mon séjour en kibbutz, parce que je voulais apprendre l'hébreu. Dans un oulpan, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Sharon s'en est souvenu. On pourra peut-être en parler là tout à l'heure. 40 ans après, il avait sa fiche. C'était un kibbutz de gauche. À Shomer HaTzaïr. Voilà. Et il m'a traité, Sharon. Ah oui, vous étiez... Il y a... C'est incroyable, il avait sa fiche. Alors que j'en parlais à personne à l'époque. Il s'affiche et puis il me dit ben, on va parler en hébreu. L'hébreu, je le comprends, mais je ne parle plus. Et très bien. Vous êtes un gauchiste. Je me disais ça en riant. Alors, donc voilà. Donc, j'ai pas souffert tellement des 7 balles parce que ça s'est passé tellement vite. J'ai été soigné aussitôt. C'est un miracle. J'aurais pu être estropié parce que j'ai vu c'était quand même difficile. Mais j'ai souffert d'un ambassadeur qui était absent et qui s'est inventé un faux attentat parce qu'il était, comme il était absent, après pour dire on a tiré sur ma voiture, ce qui était complètement faux. J'avais une témoin qui était présente dans la voiture, etc. Et puis j'ai fini par partir très rapidement parce qu'il y avait cette mésentente totale. Et j'ai eu un doute sur le métier. J'ai failli reprendre mes études d'arabe et quitter le métier. Mais heureusement, beaucoup de diplomates talentueux m'ont convaincu de rester. Et après, j'ai eu beaucoup de chance, effectivement, dans cette carrière. Alors voilà. Donc cette passion du monde arabe, oui, ben, c'est normal. Vous êtes du corps d'Orient, arabisant, puisque vous savez qu'il y a 3 sections, arabe, chinois et russe. Ben, vous avez vocation à aller dans les pays arabes. Au début, ça se passait pas forcément très bien. Vous pouvez vous envoyer un peu n'importe où, selon les postes qui s'y libéraient. Mais moi, j'ai tenu, au début de ma carrière, d'être surtout dans les pays arabes. Ça m'a permis de parfaire mon arabe, de pouvoir, quand c'était nécessaire au Yémen, de travailler uniquement en arabe, parce que le Yémen du Nord, à l'époque, n'était ni francophone ni anglophone, contrairement au Yémen du Sud, parce qu'à l'époque, c'était complètement séparé. Et voilà, donc après, il y a eu ce cheminement. Alors, on va quitter le monde arabe pour un moment. Oui. Donc, votre première ambassade, c'est au Tchad. Et là, vous touchez du doigt quand même une des choses qui est une des constantes de la politique extérieure française, qui est ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est-à-dire vous tombez là vraiment sur la réalité de la France-Afrique. Comment ça vous apparaît? Comment vous mesurez l'ampleur des réseaux qui sont à l'œuvre à l'époque autour d'Idriss Déby, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres chefs d'État de beaucoup d'autres pays d'Afrique et retrouver les mêmes type de réseau. Et ça ne se limite pas, contrairement à ce que pense tout le monde, à Charles Pasqua. Charles Pasqua n'est qu'un élément important, mais c'est seulement un élément, quoi. Alors, c'est intéressant, dans une carrière, moi, j'étais on m'avait dit ben, que je serais nommé aux Émirats arabes unis. Bon, ça avait un sens. Et puis, le directeur de cabinet de Roland Dumas m'appelle en disant paf, tu vas au Tchad. Je dis ben, écoute, laisse-moi réfléchir. Pas comme ça, c'est quand même. Mais si, si, parce que Mitterrand, d'ailleurs, c'est dans le livre de Jacques Attali, et puis je l'explique dans le livre, pourquoi on a décidé de changer d'ambassadeur. Et il fallait le faire en urgence, parce qu'Idriss Déby venait d'arriver à N'Djamena. Et alors, plutôt qu'un pays aseptisé, comme les Émirats arabes unis, que je connais par ailleurs, j'y vais assez régulièrement au titre de la mission laïque, et je me suis dit, tiens, ben là, c'est une aventure. Puis je m'étais intéressé au Tchad à travers Raymond Depardon, que j'ai connu au Yémen, et puis aussi avec Marie-Laure de Decker. Et Françoise Claus. Et l'affaire Claus, j'ai assisté aussi au procès qui avait été fait à un écrivain parce qu'il s'était inspiré de l'affaire Claus. Et puis j'avais rencontré Hissène Habré. J'ai eu un appareilliste qui était totalement isolé parce que bon, la relation était très, très mauvaise. J'avais essayé d'avoir un dialogue avec lui. J'avais un intérêt pour le Tchad. Alors donc je finis par accepter. Alors ce qui est très intéressant, mais évidemment, j'avais bien deviné comment les choses allaient se passer. Idriss Déby, maintenant c'est connu, c'est écrit dans tous les livres, il a été accompagné par la DGSE. Et donc je l'ai rencontré, contrairement à l'usage diplomatique, la première fois avec l'un des patrons de la DGSE, parce qu'Idriss Déby venait, avant que j'aille à N'Djamena, se faire soigner à Paris. Et bon, c'était l'occasion d'avoir un contact avec lui. Et puis quand j'arrive, parce que les symboles sont importants, à N'Djamena, le pilote de l'avion me dit « Venez donc, monsieur l'ambassadeur, regardez à droite et à gauche, il y avait deux mirages, deux mirages 2000. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce qu'ils font là ?»« Ben, ils sont là pour vous saluer, et ils saluent votre arrivée. » Alors j'ai bien vu qu'il y avait voilà un ambassadeur qui risque d'être encadré par la DGSE, par les militaires, parce qu'il y avait ce dispositif qui existe toujours, qu'on appelle dispositif épervier, aussi très important. L'ambassadeur n'ayant pas véritablement directement autorité, sauf quand il y a des problèmes de sécurité pour les Français, on peut le mobiliser. Et j'ai dit, tiens, ça c'est curieux. Alors, et puis je suis allé voir, après, le directeur d'Afrique, c'était Paul Dijoux, un ancien ministre, et qui refusait de me recevoir. Alors, et après, j'ai forcé sa porte, parce que ça c'est mon tempérament. Je dis, mais monsieur le directeur, je viens d'être nommé au Tchad. Je dis, mais de toute façon, le Quai d'Orsay, totalement. Tout se décide à l'Élysée. Allez voir l'Élysée, allez voir la DGSE, allez voir la coopération militaire, c'est vrai que ça se décide. Alors mon rôle a consisté à ramener le dossier au Quai d'Orsay pour en avoir la synthèse. Mais ça a été extrêmement difficile, bien entendu. Et heureusement, j'avais des appuis à l'Élysée. C'était un désordre. Il y avait la cellule africaine à deux têtes. Et bon, il y avait papa Mitterrand. Il y avait le fils Mitterrand, mais c'était incroyable, le fils Mitterrand. Pour avoir une conversation avec lui, c'était extrêmement difficile. Jean-Christophe. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon. Oh là, pas Frédéric, non, parce que j'en fais l'éloge. Non, c'est Jean-Christophe, oui. Et puis, heureusement, il y avait Thierry de Bossé, et que je connaissais bien. Et alors voilà, donc mon action, c'était parce que bon, il y avait des messages qui étaient délivrés à Idriss Déby par mon canal propre, parce que j'avais quand même eu des instructions du Quai d'Orsay, où je proposais des éléments, par exemple, de langage qui étaient acceptés, mais il recevait, lui, des messages ou par la DGSE ou par les militaires, parce qu'il y a une coopération. J'avais sous mon autorité un général qui était chargé de la coopération militaire qui était la plus importante. Et alors voilà, donc là, c'était une véritable difficulté. Puis je me suis trouvé face au réseau, parce que c'est très intéressant, parce que quand j'y étais, s'annonçait des prospections pétrolières. J'ai réussi à introduire ELF. On était en concurrence avec des compagnies américaines. C'est difficile. Et pour la France, s'y présente dans tous les domaines, dans toute la région. Tout ce qui concernait le pétrole, c'était... Il y avait trois grandes compagnies pétrolières. Alors j'ai réussi à introduire ELF. À beaucoup de méfiance de la part d'Idriss Déby. Ah, la réputation d'ELF, c'est de faire défaire les gouvernements. Alors effectivement, il y avait une certaine influence dans certains pays. Et puis donc, comme s'annonçait la prospection, j'ai vu des réseaux politico-commerciaux que j'ai rencontrés au Tchad et que j'ai retrouvés les mêmes à Bagdad et qui sont qu'on appelle pascoyens, pas du premier cercle, mais sauf peut-être pour un diplomate, et du deuxième au troisième cercle, qui me menaçaient en disant, voilà, à travers, je l'ai su à travers un jeune collaborateur, que l'ambassadeur ne se mêle pas de nos affaires. Nous sommes là pour ouvrir des casinos et des boîtes de nuit dans le pays, l'un des pays les plus pauvres du monde, par l'odeur du pétrole attiré. Et alors, c'est là où ça marche très bien, finalement, notre administration. Qu'est-ce que je fais? Yves Aubin de la Messuzière, ambassadeur de France au Tchad, à monsieur le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur. Demande d'information sur un tel. J'avais les noms 3. Alors 15 jours après, j'ai les noms, tous condamnés, escroqueries, et puis des affaires qui s'étaient passées au Gabon, etc. Je vais voir Idriss Déby, plutôt son directeur de cabinet, puis je lui montre la note. Je ne peux pas vous la laisser. Et ben voilà qui sont ces hommes-là qui ont été reçus par le président Déby. Ils disparaissent aussitôt. Mais moi, quand je suis parti 6 mois après, ils sont revenus. Et puis finalement, ils ont fait leurs affaires. Et puis après, ils ont été expulsés parce qu'ils étaient en concurrence avec des affairistes, d'autres affaires. Alors voilà, ça, c'était la difficulté pour un ambassadeur. Alors peut-être, puisque vous parlez du Tchad, de dire... D'ailleurs, des journalistes m'ont interrogé qui avaient lu le livre parce qu'à la fin du chapitre, avant même qu'il y ait eu les affaires Ben Ali et puis aussi le bombardement d'une colonne, je vais y revenir, je disais encore la France-Afrique a de beaux jours. Et d'abord parce qu'on a maintenu au pouvoir, c'est nous qui l'avons maintenu, on a sauvé à plusieurs reprises Idriss Déby. Et ben, vous avez vu, donc l'affaire Ben Ali, c'est tout à fait ce que j'ai connu d'une autre manière. Mais c'est la même chose. Il est venu par des réseaux, etc., pour faire des affaires. Alors on ne sait pas très bien si l'ambassadeur est au courant ou pas, mais à mon avis, il est plutôt marginalisé. Enfin bon, il y a eu ça. Et puis, il y a eu quelque chose d'assez invraisemblable. Cette colonne de rebelles non djihadistes, même si on les a qualifiés du côté français, les porte-paroles et autres, ou des sous-entendus que c'était des djihadistes, c'était des colonnes de rebelles qui venaient de Libye, soutenues par probablement le maréchal Haftar, parce que maintenant il est maréchal, et qui menaçaient évidemment le régime d'Idriss Déby. Donc on les a bombardés. Et celui qui menait cette rébellion, que j'ai bien connue, c'était le directeur de cabinet d'Idriss Déby. C'est un pur Zagawa Bidayat. Il est de son clan. Il est en rébellion depuis déjà pas mal de temps. Et là, il avait quelques moyens. Donc Idriss Déby a demandé un appui-feu, ce qui a été fait. Et on a arrêté la colonne. Et on a tué des rebelles non djihadistes. Rien à voir avec les mouvements djihadistes. Mais moi, j'étais confronté à cette situation. Parce qu'il y avait une tentative de retour d'Hissène Habré, ce qui posait un problème, évidemment, et puis aussi pour nous, parce que nos relations avec Hissène Habré étaient épouvantables. Puis il faut voir les horreurs qui ont été commises par Hissène Habré, qui vient d'être, après 30 ans, d'être condamné par la justice, et maintenant en prison au Sénégal. Et Idriss Déby... Alors moi, j'étais toujours... Voilà le rôle d'un ambassadeur. La nuit, j'allais très régulièrement le voir... à la présidence pour s'assurer qu'il n'allait pas fuir, comme l'avait fait Hissène Habré, laissant N'Djamena la ville ouverte. Il a fallu mon prédécesseur évacuer, etc. Bon, beaucoup de morts, pas du côté des Français, mais du côté des Tchadiens, c'était pillage. Et je voulais m'assurer qu'il resterait là. Et ce qu'il a fait, puis après, il me demande, il me dit, ben voilà, il y a cette colonne qui se rapproche de N'Djamena. Si vous pouviez appeler le président de la République, François Mitterrand, pour lui demander une intervention. Je lui dis, qu'est-ce que vous entendez par... Alors, comme il était un petit peu ambigu, je vous demandais l'appui-feu. Il me dit oui. Ben, je lui dis, écoutez, c'est pas dans l'air du temps. Je vais faire la demande. Et, mais je ne suis pas sûr que vous l'obtiendrez. Et puis, je suis en contact avec l'agent de permanence. C'était 1h ou 2h du matin. Donc, il a réveillé François Mitterrand et qui a dit, c'était ma proposition, pas d'appui-feu, simplement des survols pour impressionner les rebelles qui, effectivement, se sont arrêtés, pratiquement au port de N'Djamena. Et puis après, Idriss Déby a repris confiance. Alors voilà que 30 ans après, ce qui était, paraissait impossible à faire est devenu possible. Moi, je trouve que là, c'est véritablement un problème. Et dans les ingérences intérieures, enfin, ça pose toutes sortes de problèmes et de principes. Voilà. Et puis un ambassadeur, pour dire qu'en Afrique, il a vocation soit à faire un séjour extrêmement court. Tous les 6 mois, on voulait me virer à la demande de... Et puis, ou alors de rester, comme certains ambassadeurs, disons 12 ans, etc., parce que le rôle est inversé. Ils deviennent les ambassadeurs du chef d'État africain auprès de la France. Voilà. On précise, pour que tout soit clair, qu'en principe, vous êtes, enfin, quand vous êtes ambassadeur, l'interlocuteur unique du chef de l'État. Personne ne doit avoir... pour la France, de contact avec... Non, non, alors, oui, mais alors quand il y a des réseaux politiques qui arrivent, effectivement... mais j'avais quand même des moyens pour pouvoir m'informer. C'était ça. Moi, je voulais avoir l'information, toute l'information. Et comme l'attaché de défense me cachait des informations, parce qu'on avait des grandes oreilles à l'époque, pour s'assurer où se trouvent les rebelles, etc. Parce que pour moi, la sécurité des Français était essentielle. Il y avait des milliers de Français encore. Eh bien, il me cachait l'information. Je trouvais ça inacceptable. Et là, j'ai eu la chance. Je vois Papa Madi qui me dit « Oh là, les militaires, vous savez, il ne faut pas s'en prendre aux militaires. » Et je vois l'amiral Langsad, qui était le chef d'état-major particulier du président, et ensuite chef d'état-major général. En 15 minutes, il a organisé le rappel d'attaché de défense. Donc là, il avait pensé que le rôle de l'ambassadeur était fondamental et qu'il ne devait pas être marginalisé et qu'il devait avoir l'information, toute l'information. Papa m'a dit, c'est Jean-Christophe Mitterrand. Hein, pour oui, oui. Pour, je crois que tout le monde... Ah ben, bah, oui, oui, jeune, comme tu savais, Papa m'a dit, non. Voilà. Ah bon, pardon. On revient, si vous voulez, dans le monde arabe, parce qu'il y a une chose qui peut-être frappera nos amis qui vont certainement acheter le livre et le lire, c'est le fait que vous plaidez contre l'idée de politique arabe de la France. Vous dites que ce n'est pas une bonne formule, ce n'est pas une bonne manière de voir des choses, d'autant que ça donne lieu à des caricatures, comme lorsque les néocons français, pour les appeler par leur nom, qualifient votre direction, Afrique du Nord, Moyen-Orient, de rue arabe. C'est assez extraordinaire aussi la solidarité confraternelle qui peut s'exprimer. Je suis beaucoup interrogé sur ce concept de politique arabe de la France. Et on se souvient du discours de Chirac à l'université du Caire en 1996, donc avant que je sois en responsabilité, et une année avant, où il a parlé de relance de la politique arabe de la France. Alors moi, ce concept qui avait des raisons d'être à l'époque du général de Gaulle, de Pompidou, voire un peu de Giscard d'Estaing, quand il a été lancé ce concept de politique arabe de la France, il y avait effectivement une nécessité de renouer avec le monde arabe avec lequel nous étions en rupture, après la guerre d'Algérie, du fait de la guerre d'Algérie et du fait de l'expédition de Suez où il y a eu rupture des relations. Donc il fallait effectivement renouer avec l'ensemble du monde arabe sur lequel on pouvait peut-être, et à l'époque encore, parler d'unité du monde arabe. Et alors dans la situation, disons, actuelle, est-ce que ça a du sens d'avoir une politique globale s'agissant du monde arabe, alors que le monde arabe, pour moi, c'est ce que, dans ce livre de réflexion sur le monde arabe, le grand chambardement, j'ai cette réflexion sur un monde arabe qui se décline au pluriel. Et alors, moi, j'étais parfaitement en accord avec Hubert Védrine, qui me disait il faut accorder la priorité Maghreb. Voilà, c'est là où nous avons des intérêts. Et puis il y a cette proximité qui nous concerne. Tous les domaines, humains, échanges, problèmes de sécurité, d'immigration, culturels, etc. Et alors moi, j'ai cru, effectivement, j'avais tout un travail conceptuel sur notre politique au Maghreb, comment la rénover, comment la relancer. Et on doit avoir une politique s'agissant du Proche-Orient, du conflit israélo-palestinien, ça on pourrait y revenir, que moi j'estime être toujours central. Donc, il faut y mettre... Parce que le directeur Afrique du Nord Moyen-Orient a autorité aussi sur les questions israéliennes et aussi iraniennes. Et les pays du Golfe, où nous n'avions pas vraiment de politique. Là aussi, c'est un ensemble. Il faut avoir une politique en direction du Golfe qui ne soit pas uniquement commerciale et économique, mais aussi avec une vision stratégique. Et voilà. Et donc voilà, c'est pas un grand dossier, bien entendu, qu'on doit avoir une politique, et la politique arabe de la France. Alors de temps en temps, on voit des réflexions qui il faut relancer notre politique arabe de la France. Alors d'abord, parce que si on veut avoir une politique, notamment Proche-Orient, on ne peut pas exclure deux autres acteurs non arabes, c'est l'Iran, c'est Israël, et voire la Turquie aussi, qui sont des grands acteurs, etc. Donc tout ça n'a pas tellement de sens. Et d'ailleurs... Je me suis dit, tiens, on va voir. Je suis resté presque 4 ans, donc presque un record, parce que c'est quand même extrêmement lourd comme dossier. J'avais dit à tous mes collaborateurs, vous ne parlez pas de politique arabe dans tous les éléments de langage, comme on dit, qui vont à la destination du président, du Premier ministre, etc. J'ai jamais eu d'observation. Et voilà, donc une approche, disons, pragmatique et un peu par région. Voilà. J'aimerais vous parler quand même un peu, je sais que ce n'est pas le centre de votre propos, mais quand on vous lit, on voit beaucoup de personnages étrangers, mais aussi de personnages français. Et moi, j'ai été frappé par les pages que vous consacrez à Jacques Chirac, leur longueur, le fait que vous en parlez beaucoup. C'est vrai que vous avez beaucoup travaillé avec lui. Aussi, le fait que vous exprimez beaucoup de... Je ne sais pas quel mot il faut utiliser, d'admiration ou de respect. Ou de... Enfin, vous avez visiblement une estime profonde pour ce qu'il a été comme président dans ce domaine qui est le vôtre. Et je dois dire que ça contraste, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est très politiquement correct comme formule, là, ce que je dis, ça contraste avec vos propos sur son successeur, avec lequel vous êtes d'une... ça n'est pas... C'est factuel, il n'y a rien qui soit un jugement hors des faits, mais les faits sont quand même accablants, quoi. Donc j'aimerais bien qu'on ne parle pas pour les comparer, mais simplement, ce que vous dites de Chirac m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que c'est dommage qu'on n'en sache pas plus sur ce qu'était son rapport à la politique extérieure et le fait que, non seulement il avait de la passion pour ça, mais qu'il avait une grande appétence, quoi. Il avait une grande curiosité, une grande... Oui, c'est effectivement... Donc là, c'était une relation qu'on peut dire véritablement personnelle, hein, personnelle, parce que... Presque amicale, par moment. Presque amicale, oui, de sa part. Et ce qui gênait certains de ses conseillers, d'ailleurs, hein, parce que j'étais pas... J'avais aucune ambition particulière. Et donc on partage la même passion, la même passion du monde arabe. Et il savait très bien... quelles étaient mes opinions politiques. Je me sentais de temps en temps, parce que j'ai fait des dizaines de voyages avec lui. Et en général, les présidents à Mitterrand, moi j'en ai fait parce que j'étais son Sherpa pour les sommets francophones. On pouvait à peine lui serrer la main. Et c'était comme ça. Il n'y avait absolument aucun contact avec les responsables d'administration. Et donc Chirac, lui, il se baladait dans l'Europe. Puis de temps en temps, il me convoquait. Bon, expliquez-moi, parce qu'il a toujours besoin de comprendre. C'est ça. Et puis, disons, le fait est venu. Donc moi, je ne le connaissais pas. Et quand j'étais nommé à Bagdad, je ne pensais pas être reçu par le président, parce que le chef du protocole dit oh, « Tu ne seras pas reçu, tu n'es pas ambassadeur. » Ah bon, je dis « Très bien. » Mais j'ai été reçu. Et c'est lui qui m'a donné véritablement les instructions. Parce qu'il avait une passion d'Irak, il avait une passion de comprendre. Et ses relations avec Saddam Hussein n'étaient pas celles que l'on croit, sauf dans les années 70. Il se trouve que j'étais jeune rédacteur chargé de l'Irak quand Saddam Hussein était le numéro 2 du régime et lui, Premier ministre, hein, Jacques Chirac. Et j'ai vu comment tout ça fonctionnait, même si je ne participais pas à l'époque, les rédacteurs ne participaient pas ni aux rencontres et ni aux voyages. C'était pas le seul homme politique français à avoir des rapports étroits avec Saddam Hussein. Non, mais tous. Mais aussi les Américains, tout le monde. Il faut dire qu'à l'époque, il faut voir ce que représentait un Saddam Hussein. C'était l'homme qui développait son pays. Il y a eu les infrastructures, dont j'ai encore vu les restes, etc. Nous avions beaucoup d'entreprises françaises. Et après, il y a eu ces dérives. Et alors lui, c'est très intéressant pour le rôle d'un ambassadeur, parce que il me donne des... D'abord, il me reçoit pour me dire « Ah ben c'est courageux, etc. Vous êtes là dans un poste important et sensible. Voici les messages adressés aux autorités irakiennes. » Message un peu d'ordre politique. Coopérer avec les Nations Unies. La coopération, tout ça, même si c'est difficile. Et nous serons là pour aider à la levée des sanctions. Et puis, il y a surtout un message par rapport au réseau. Personne, monsieur l'ambassadeur, me disait-il, personne n'est autorisé à parler à mon nom, en mon nom ou au nom de l'Élysée en Irak. Ben, l'allusion, je l'ai vite comprise. Puis aussi, ses conseillers me l'ont dit, c'est parce qu'il y avait des réseaux de gens qui étaient dans la mouvance chiracienne et qui étaient plus ou moins à la retraite et qui faisaient des affaires. Vous connaissez ce qu'on a appelé les ripoux du Quai d'Orsay. Je ne donne pas leur nom, il y en a un qui est décédé, mais qui ont détourné les résolutions de pétrole contre nourriture pour faire des affaires, avec des rétro-commissions qui allaient à Genève sur un compte d'un parent de Saddam Hussein. C'était ça, c'était l'horreur. Enfin, bon. Et alors, parce que certains, pour faire des affaires, en disant « Ben voilà, j'ai vu le président, où je suis, etc. », ils faisaient valoir. Et là, j'étais d'une grande vigilance. Et avec Tarek Aziz, avec lequel j'ai eu une très bonne relation... Et je lui dis, voilà, ça pose un problème, tous ces réseaux, au président de la République et aussi au Premier ministre Jospin, que je n'avais pas rencontré d'ailleurs avant de partir. Enfin, je l'imaginais. Et puis il y avait les réseaux, il y avait le Front National. C'était là pour faire des affaires, des réseaux politico-commerciaux. Il menait. Il me disait, Tarek Aziz, c'est les seuls qui veulent, qui ont gardé le contact avec nous. Je dis, maintenant, nous reprenons contact avec une section d'État, mais il me considérait comme un ambassadeur. Et maintenant, vous n'avez plus donc éliminé. J'ai eu un problème, des menaces de la part du Front National. Et alors, on n'a plus revu Le Pen, ni ses conseillers, sauf l'épouse de Mme Le Pen qui faisait du social. Petite anecdote, elle a offert, bon, c'est très bien, une vingtaine d'ambulances toutes neuves. Alors je les vois dans la rue, parce que j'aime bien observer les choses. Qu'est-ce que je vois? L'oriflamme du Front National. Je vois Tarek Aziz, je dis, mais écoutez, il dit, mais ça, c'est les couleurs de la France. Je dis, non, c'est Front National. Le lendemain, c'était enlevé. Ça, c'était au moins côté positif du régime qui pouvait... Bon, très bien. Alors, donc, j'avais affaire aussi... Non, alors, pour revenir à Jacques Chirac, après... Et quand j'étais en difficulté, parce qu'il y avait problème, c'est que des bombardements américains que j'ai connus à l'époque de Clinton, et j'étais devenu un spécialiste, c'est ça, un ambassadeur qui devient un spécialiste des armes de destruction massive. Le nucléaire, le balistique, le chimique et le biologique. Parce qu'il fallait que je surveille ce que faisaient les inspecteurs de l'UNSCOM qui étaient instrumentalisés par les Américains. Tout devait être fait. À l'époque, la politique de Clinton, c'était pas de renverser Saddam Hussein, c'était l'expression de Madeleine Albright qui disait « We let him in his box ». Nous le laissons dans sa boîte. Dès qu'il lève la tête, on lui tape dessus. Voilà. Et donc, tout était fait de la part des Américains pour éviter la levée des sanctions et de fermer des dossiers. Moi, ce que je proposais, c'est que des dossiers soient fermés les uns après les autres. On savait que dans le domaine nucléaire, il n'y avait plus rien. Et balistique, quasiment. Mais il y avait les inspecteurs. Quand je voyais le chef inspecteur, c'était un Australien, une espèce d'abruti, un peu soulographe, et qui a vraiment dit « Dites-moi, il y a vraiment une différence entre les sunnites, les chiites ?» Et une fois au tableau, il prend un stick, il dit « Ici, dans un palais, on sait qu'il y a des armes de massives. » Il se trompait de 300 km. Alors, bon, c'était ça. Donc c'était ou non professionnel ou provocateur. Et alors, juste pour faire... Après, je reparlerai de Chirac, parce que c'est intéressant, cette incidence. Quand on parle des mensonges américains autour des armes de destruction massive, on pense à Bush, à l'époque de Bush. Mais à l'époque de Clinton, c'était pareil. Et j'étais le premier à voir, parce que notre excellent ambassadeur à New York nous envoie un télégramme et pour dire voilà ce que les Américains viennent de présenter au Conseil de sécurité sur un grand tableau de projection. Une annexe d'un palais présidentiel et des tuyaux un peu partout. Moi, j'ai pas vu à l'époque, on ne pouvait pas transmettre les images, mais j'ai bien deviné. Ils avaient décidé, là, on refabrique des armes chimiques en faisant des tuyauteries, etc. Alors je vois Tarek Aziz fou furieux, ces Américains sont des menteurs. Monsieur l'ambassadeur, c'est pas possible. Je dis, écoutez, emmenez-nous l'ambassadeur de Chine, qui est un véritable ambassadeur de Russie. Et moi, donc, les trois membres représentants des pays membres permanents du Conseil de sécurité. Et alors, il dit, je vais en parler. C'est très intéressant parce que Tarek Aziz ne prononçait jamais le nom de Saddam Hussein. Un peu quand on dit Dieu, Allah, je vais lui en parler. Et puis 3 jours après, en grand équipage, on y va, sans protection et rien. Tout de suite, j'ai vu ce que c'était. C'était des chaufferies et climatisation d'un immense palais qui ressemblait à un hall de gare, parce que vraiment, Saddam Hussein, ces palais qu'il appelait devant nous, les palais du peuple, et ressemblaient à des halls de gare. Et alors, bon, ça m'a permis de dénoncer effectivement ce mensonge. Et alors voilà, ça, c'était la politique. Et puis, alors donc, il y a eu après des manquements très graves de la part des Irakiens. Donc, malgré tous les efforts que nous avons faits auprès d'eux pour leur dire coopérer, coopérer. Bon, et donc, il y a eu les bombardements que j'ai connus de décembre 97. Et Chirac, il m'appelait de temps en temps pour dire alors comment ça va, c'est pas trop dur. Et puis aussi savoir. Parce que quand les Américains, en dehors d'une résolution du Conseil de sécurité, ont décidé de bombarder l'Irak, donc c'était en décembre, oui, c'est ça, 98, et donc c'était bien avant, évidemment, les 2003, Et il était furieux, donc il a appelé Clinton, parce que j'ai eu tous les comptes rendus, c'était très intéressant, les rapports. Il prenait son téléphone, Chirac, c'était ça. Il appelait Poutine, il appelait Clinton, il appelait aussi Tony Blair, aussi Hubert Védrine s'y mettait, a appelé ses homologues, etc. Puis finalement, il était furieux parce qu'il y a eu ces bombardements sans qu'il y ait eu le feu vert du Conseil de sécurité. C'était le cas aussi en 2003, là, bien entendu. Et donc, il appelait, c'est là où ça a créé cette relation, pour revenir à Jacques Chirac, dire bah, « Écoutez, si vous sentez que la situation est difficile, eh bien, vous pouvez évacuer. » Évacuer toute l'ambassade. Alors j'avais évacué donc les Français, puis on était toute une petite équipe, pas protégée du tout, parce que les bombardements situés à 2 ou 3 kilomètres de là, ça faisait un bruit effroyable. Et puis les cruises qui nous passaient au-dessus, on avait l'impression que c'était Boeing 747 qui nous volait à 50 mètres au-dessus de chez nous. Mais alors finalement, bon, on a tenu, et puis les bombardements sont arrêtés. Et après, puisque vous parlez de la relation avec Jacques Chirac, à chaque fois que je passais à Paris, je signalais ma présence et Jacques Chirac me recevait. Et j'étais finalement, m'avait dit Jean-David Lévite, l'ambassadeur, enfin le chef de poste diplomatique le plus reçu. Parce qu'il a toujours besoin de comprendre, et puis il pensait qu'il pouvait jouer un rôle. Il a joué un rôle important, j'ai oublié de le dire, sur l'inspection des palais. Parce que Saddam Hussein y refusait. Donc on a organisé une mission de Kofi Annan, c'était donc une initiative française, et qui a réussi à persuader Saddam Hussein. Alors c'était très intéressant la conversation que j'ai eue avec Kofi Annan pour lui dire, écoutez, faites l'éloge de l'histoire de l'Irak, parlez de Nabucodonosor, parce que c'est quand même une réalité, parce qu'il se compare à Nabucodonosor, vous verrez, ça lui plaira. À mon avis, il va céder. Et puis il a cédé. Donc ça, c'était une initiative réussie. Là, on était au cœur de la chose. Et après, pardon ? Non, j'allais dire, quand on vous lit, Chirac, en gros, comprend, quoi, tout le temps. Oui. Sauf une fois. Et on se demande pourquoi. C'est avec Ben Ali. Ah oui, alors... Ben Ali lui sert son discours habituel et Chirac reprend le discours de Ben Ali. Alors, je vais revenir à Ben Ali. Oui, vous avez raison, parce que je suis peut-être trop long sur l'Irak. Et après... Quand je décide de partir, de dire au bout de 2 ans, mais c'était extrêmement dense. On faisait des nocturnes avec décalage horaire. Enfin, j'ai vu 90 fois en 2 ans Tarek Aziz pour parler de ces problèmes de coopération. Et puis je vois Hubert Védrine et puis je dis voilà, je dois avoir une ambassade. Pardon ? Pardon ? Non, mais on va donner la parole au Père Lelon après. Oui, alors... Pas de problème. Et après, puisque vous parliez de la relation avec Chirac, je vais venir sur la Tunisie, eh ben, c'est lui qui me nomme directeur à NMO, ce qui est quand même assez invraisemblable. Parce que j'avais dit à Hubert Védrine, ça ne m'intéresse pas, et je voudrais plutôt repartir à l'étranger. Et puis, bon, Chirac me reçoit, il me dit, ben, on va parler de 3 choses, je voudrais vous décorer. Bon, et on va parler quand même de l'Irak et des manquements irakiens, parce qu'il était très déçu. Et puis de votre avenir. Puis à la fin, l'avenir, il dit vous serez directeur à NMO. Alors évidemment, devant le président de la République. Il dit je sais que c'est pas votre premier choix, mais enfin bon, très bien. Alors donc j'étais comme ça. Alors et après il y a eu tous ces voyages. Alors puis cette relation parce qu'on était souvent ensemble, on parlait de toutes sortes de choses. Et alors en Tunisie, il s'est passé donc visite d'État qui n'a pas été simple à organiser parce que contrairement à ce qu'on croit. Les relations entre Chirac et Ben Ali étaient des relations... D'abord, il n'y avait pas de relation. D'abord parce que Ben Ali se déplaçait jamais quand il y avait des grands sommets francophones et autres. Et donc, ça manquait de chaleur. Je l'ai bien vu quand j'étais directeur Afrique du Nord-Moyen-Orient. Et c'est là où l'ambassadeur a un rôle, est au cœur de la relation bilatérale dans un pays comme la Tunisie. Et donc Chirac vient en visite d'État. Bon, globalement, ça se passe bien. Il a repris tous mes éléments de langage que j'avais préparés avec l'Élysée, le Quai d'Orsay. Et puis, il est reçu par Ben Ali et qui lui dit, il me l'avait dit 40 fois, enfin, lorsque j'accompagnais tel et tel visiteur, quand on lui parlait de la question des droits de l'homme, à laquelle j'étais très attaché, ce qui m'avait eu beaucoup de problèmes avec le régime de Ben Ali, pas lui-même, mais de son entourage. Ben Ali disait le premier des droits de l'homme, c'est de pouvoir manger, se nourrir et puis de se loger. Puis il disait les Tunisiens sont propriétaires de la maison à 70%, ce qui est la réalité, etc. Alors c'était un pur tête-à-tête quand il s'agit de voilà pur tête-à-tête. Chirac sort de cet entretien, la presse est là, conférence de presse et il dit le premier On lui pose des questions des droits de l'homme. Le premier des droits de l'homme, c'est de s'honorer. Alors, il y avait Dominique de Villepin, son conseiller, le conseiller diplomatique Gourde-Montagne et moi-même. Alors là, ébahi, tout de suite, on prend, c'est bien, on pouvait dire à Jacques Chirac des choses. On dit, mais monsieur le président, là, il y aura un problème. Alors, effectivement, dans les médias, ça, évidemment, tout ça a tourné. Alors, il était extrêmement embarrassé. Il dit, vous avez raison. Il dit, je n'ai pas dit tel quel, mais je me souviens qu'il m'avait dit, il nous avait dit, on était ensemble, là, j'ai fait une connerie. C'est sa manière de parler. Il dit, je vais rattraper ça. Alors, effectivement, après, il a rétabli, mais on sait très bien que ce sont les premiers propos qui comptent, qui circulent, et après, on ne va pas... Bon, très bien. Et ça, ça laisse des traces, parce que très souvent, dans des articles ou dans des livres, ou quand on voit nos amis tunisiens, aussi, ils le rappellent. Voilà. Donc, c'était ça. Voilà. Un dernier mot, quand même, pour ne pas l'oublier, parce que ce n'est pas gentil. Vous dites des choses un peu sévères sur la manière dont Lionel Jospin, pas seulement a pris des positions qui étaient en dehors des éléments de langage qui avaient été définis avec la présidence de la République. Je pense à son discours sur le Hezbollah tenu à Beyrouth, où il qualifie le Hezbollah d'organisation terroriste, alors que le Hezbollah, à l'époque, lutte contre Israël. Donc on est quand même dans un... Et ça lui vaut d'être caillassé à l'université de Birzeit quand il en parle. Et puis, plus généralement, vous dites qu'il n'y a pas cette empathie, quoi, cette volonté de comprendre. Il y a une espèce de rigidité. Ben, c'est pas... Là, je ne critique pas. Jospin, je ne pense pas qu'il ait eu... parce qu'on en a discuté après, par la suite, des positions systématiquement pro-israéliennes. Bon. Mais c'est là où on retrouve le rôle et le métier des diplomates. C'était... une mission tout à fait importante, Israël-Palestine, et c'était un travail considérable que l'on a pu faire, parce qu'il y avait des accords à signer en plus, les éléments de langage, les discours, quel discours allait-il tenir devant les Israéliens, devant les Palestiniens. Et donc je me trouvais dans l'avion, et ça c'est la responsabilité de son entourage, il préparait ses discours. Rien à dire sur ces discours, étaient parfaits, même sur la question palestinienne, etc. Très bien. Et je voyais qu'il y avait des allers-retours. Et qu'est-ce que je disais? Les éléments de langage, les éléments de langage. C'est tellement important au Proche-Orient. Nous avions fait, je me souviens, j'avais un papier de 5-6 pages où on anticipait les questions et on proposait des éléments de langage. Et on savait que, puisqu'il y avait des incidents entre le Hezbollah et Israël, on savait qu'il y aurait une question posée par les journalistes sur le Hezbollah. Et qu'est-ce qu'on proposait, comme souvent? C'est ça, la diplomatie. Eh bien, ce sont une réponse d'évitement. C'est d'ailleurs Hezbollah, on ne le qualifie pas ni de résistant, ni de terroriste. C'est une partie au conflit. D'autant plus que, grâce à Hervé de Charette, d'ailleurs, il vient d'écrire... Ah ben, il était là, il n'y a pas si longtemps. Oui, oui, un livre intéressant sur ce qui s'est passé en 1996, ce qu'on appelait le groupe de surveillance. Après ce massacre effroyable, c'était à Cana, en 1996, très bien, et qui faisait que ben, le Hezbollah était partie prenante. Donc il fallait pouvoir discuter avec lui. Et donc, il n'a pas eu le temps. Et pourtant, j'avais dit à ses conseillers, c'est tout à fait important, d'autant plus qu'il n'avait pas la maîtrise véritablement du dossier, puisqu'après, ben, il m'a demandé, expliquez-moi ce qu'est le Hezbollah, à part. Ben, voilà. Donc il n'avait pas véritablement étudié tous ces dossiers. Et ça évalue donc là une crise très importante entre Chirac et lui. Et d'ailleurs aussi, même Jospin, en termes d'opinion, parce qu'il y a eu des sondages, a chuté considérablement. Parce qu'il s'est mis en situation... C'est le Premier ministre de la France qui se met en situation d'être caillassé. Dans des conditions, vous savez, que ça aurait pu être mortel. On parlait à Leïla Chaïd parce qu'elle était à côté de Jospin, même parfois dans sa voiture, parce que la voiture de l'autorité palestinienne était blindée, elle était complètement défendue. Il a reçu des petits cailloux, il a reçu un petit là, et après les cailloux. Et puis moi, je les voyais là, tout ça a été organisé par des membres. On ne sait pas très bien si en fait, on n'a jamais su véritablement qui ils étaient, mais c'était un groupe organisé. Et puis il y a eu des cailloux comme ça, s'il avait reçu ça sur la tête. Alors voilà. Et alors donc j'en ai parlé après dans dans l'avion là avec lui, parce qu'il s'en était pris, se trouve, bon, ça c'est un peu personnel, Christophe Boltanski, qui était le correspondant de Libé, il se trouve qu'il est mon gendre, et puis, bon, il était parfaitement au courant, et puis au cours d'un off, il dit Jospin, mais enfin tout de même, après cette bévue, c'est... sur lequel, d'ailleurs, Védrine avait réagi, mais micro ouvert. Micro ouvert. Micro ouvert. On entend Védrine qui dit, mais oui. Lionel, qu'est-ce que tu as dit ? Mais le tempérament de Lionel Jospin, il est comme ça au début. Il s'enferme, il s'enferme, il s'enferme. C'est après qu'il regrette, mais c'est trop tard. Voilà, il aurait pu rattraper la chose. Et vous pensez que c'est le substrat lambertiste. Oui. Alors, un journaliste lui pose la question. Là, ça touche encore le métier. Mais tout de même... Et le Quai d'Orsay vous a donné des éléments de langage. Mais il ne connaissait pas notre relation, là, Lionel Jospin. Il dit, mais je ne suis pas là pour écouter les mots d'ordre des bureaux. Alors moi, j'étais le bureau. C'était le bureau. Et alors, après, il l'a su. Donc, il m'en a parlé dans l'avion. Il dit, vous n'êtes pas trop ému. Alors, monsieur le Premier ministre, nous assumons. Et il me dit une chose étonnante. Il lui dit, vous savez, le président de la République me convoque à l'arrivée à Paris, mais je ne dirais pas la convocation. Et finalement, Chirac a réussi à le joindre au téléphone. Il était au cours d'un dîner, puis le lendemain. Et là, ça a été extrêmement, extrêmement difficile comme relation. Mais alors, ce qui était bien, pour finir, c'était la relation qui est très bonne entre Chirac et Védrine. Il y a beaucoup de fluidité. Voilà. Donc ça, et c'est pour ça que la cohabitation ne m'a pas posé de problème. Et puis, finalement, pas tellement, parce qu'après, j'ai revu Jospin, parce qu'il y avait des entretiens, des visites, pour aller voir le Mohamed VI, pour aller voir Bouteflika. Intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Je vais me limiter là pour mes questions. Et je vous passe la parole à qui la veut. Il s'agit bien, Père Lelon, d'un livre qui porte sur le passé, 40 ans de... d'activité d'Yves Aubin de la Messuzière, donc c'est tout à fait normal qu'on soit plus dans le passé que dans le présent. On aura d'autres occasions de parler du présent. On ne fait que ça à l'IREMO, donc c'est pas vraiment... Beaucoup de personnes qui ont des questions à poser, j'aimerais bien en poser une. Je vous en prie. Après, il y a d'autres personnes avant moi. Non, 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 mais vous avez manifesté la volonté d'en poser. Posez-les. Vous avez rendu visite à Tunis. Oui. À l'occasion d'une conférence que j'avais faite là-bas sur Jérusalem. Oui. Ah oui, sur... oui. Alors, avant, j'ai deux questions à vous poser. Mais avant de vous poser des questions, en vous écoutant, permettez-moi d'évoquer mes relations avec les ambassadeurs que j'ai connus. J'ai connu beaucoup d'ambassadeurs au Maghreb, au Moyen-Orient. J'admire beaucoup cette vocation. D'ailleurs, avant d'être prêtre, je voulais être ambassadeur. Ah. Il me semble que les ambassadeurs que j'admire, c'est ceux qui ont été à la fois d'une totale loyauté avec le gouvernement qu'ils représentaient et en même temps d'une grande liberté pour dire au gouvernement ce qu'ils avaient à dire. Et je citerai un exemple parmi d'autres, mais qui pour moi... est un exemple admirable, c'est notre ami Gilbert Perrol, qui a été comme vous ambassadeur à Tunis et après à Rome. Oui, voilà. Et Mme Perrol qui est là. Ah, M. Perrol maintenant est retourné à Dieu, mais son souvenir est présent et en vous écoutant, je pensais à lui. Je pense que M. Perrol, qui a été très proche du général de Gaulle, a été parfaitement loyal avec le président Mitterrand, qui n'était pas tellement proche du général de Gaulle, mais Perrol a été à la fois un fidèle du général de Gaulle, on était très proches, et en même temps, il a travaillé en confiance avec François Mitterrand, on peut le dire, je crois. Et ça, je trouve que c'est remarquable. Et puis, lui aussi avait une vision internationale avec une grande importance attachée au Moyen-Orient. Et là, je viens à mes questions. Deux questions. Quelle est actuellement, à votre avis, la politique que pourrait faire, que devrait faire le gouvernement français vis-à-vis de la Syrie? Et deuxièmement, je sais, monsieur l'ambassadeur, que vous êtes un de ceux qui est préoccupé par le problème central qu'est la question palestinienne, comment se fait-il que l'ONU, l'Union européenne, la France, la Ligue arabe, qui est maintenant dirigée par un Tunisien d'ailleurs, comment se fait-il que, malgré des condamnations de la politique israélienne qui viole le droit international à Jérusalem, il n'y ait pas une possibilité d'agir au niveau international entre l'ONU, l'Union européenne, où la France a un rôle important à jouer, les pays arabes. Et là, je trouve que là, il y a une situation incroyable d'injustice vis-à-vis du peuple palestinien qui, depuis des années, est victime finalement de l'injustice. Alors, il y a des voix juives maintenant qui s'élèvent, très important, que des voix juives s'élèvent pour dire qu'ils ne peuvent plus accepter cette politique inacceptable. Et il me semble que la France est quand même un des pays qui, depuis le général de Gaulle, et après, a été quand même un des pays qui a le mieux défendu la cause palestinienne. La France, avec les pays européens, Mme Mogherini, et le Vatican a toujours dit que Jérusalem ne devait pas être la capitale d'un État, mais la capitale des Palestiniens et de tous les croyants du monde entier, juifs, chrétiens, musulmans. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une action menée vraiment fortement en ce sens? Merci. Bon, je réponds. Bon, sur la Syrie, je ne vois pas dans le contexte actuel un rôle éminent pour la France. D'ailleurs, il faut toujours parler du passé. Parce que vous verrez qu'à un moment, à cette époque, donc c'était la politique de partagée du président de la République et d'Hubert Védrine, que nous ayons une politique, disons, vis-à-vis de la Syrie. Alors, qui a été difficile, après, plus tard, la disparition d'Hariri, etc. Et il fallait avoir un dialogue. Et nous avions, parce que l'actualité, c'est la reconnaissance par les États-Unis de l'annexion du Golan par Israël en 1980, laquelle avait été condamnée, comme pour les territoires palestiniens, la résolution 1942 sur dimension inadmissible de l'occupation de territoire, ça concernait aussi le Golan. Et puis en 1980, c'est bien 80, oui, quand le Golan a été annexé, il y a eu aussi une résolution. Et les États-Unis s'y sont associés. Et ça rentre un peu dans le droit international, en quelque sorte. Alors sur le Golan, nous avions un rôle important. C'est souvent le rôle de la diplomatie, parce qu'on pense qu'on peut avoir un rôle éminent. Mais bien entendu, on peut avoir un rôle important parce que, ne serait-ce que parce que nous avons un intérêt et des intérêts dans cette région, mais aussi parce que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Et sur le Golan, on faisait, je le raconte un petit peu en dur, l'entremise entre Israël et Hafez el-Assad. Et aussi, parce que c'est ce que j'appelle l'ingénierie diplomatique dans mon livre, hein, c'est-à-dire souvent, alors ça se fait discrètement, c'est comme pour les accords de Camp David qui ont fini par échouer. Ben, les Américains, après, ont appelé Madeleine Albright et Hubert Védrine en disant Jérusalem. Ben, on ne sait pas. Si vous avez l'occasion de lire le petit chapitre, le sous-chapitre que j'écris sur justement Camp David, nous faisions de l'ingénierie diplomatique pour les Américains, parce qu'ils voulaient reprendre Camp David après l'échec. Dit, expliquez-nous la question de la souveraineté, qu'elle soit verticale ou horizontale, c'est extrêmement compliqué. Et en plus, nous avions... c'est resté très discret, voire secret longtemps, mais maintenant on peut le révéler, d'ailleurs ça l'a été par ailleurs, nous avions un groupe de travail avec le Vatican sur, justement, les problèmes d'accès aux lieux saints, etc. Avec Mgr Torrent. Avec Mgr Torrent, extraordinaire, Mgr Torrent. Parce que je l'ai vu à plusieurs reprises lorsque nous allions au Vatican. Et donc nous faisions de l'ingénierie diplomatique autour du Golan. Mais simplement, là, on ne nous a pas écoutés parce que nous avions peut-être plus d'analyse, plus de vision, en quelque sorte, sur ce que pouvait être Hafez el-Assad, la grande erreur de Clinton et de son entourage. Et c'est instrumentalisé par les Israéliens, pensant que Hafez el-Assad allait céder sur le Golan parce que les Israéliens voulaient garder un bout de terre. Autant les Syriens étaient prêts à concéder sur le lac de Tibériade, mais pas sur la terre. Et pourquoi? Parce que Hafez el-Assad, en 1967, il était commandant en chef. Il a une responsabilité sur la perte de la terre. Et alors on pensait, les Américains comme les Israéliens, vous allez voir, il va céder parce qu'il est en fin de vie. Il savait qu'il allait mourir. On savait que cette grave maladie, un cancer du sang, et on était un peu le témoin parce que je l'ai vu, j'ai eu un entretien avec lui quand j'étais émissaire de Jacques Chirac, où il perdait la tête, parce que voilà, il a ce problème, et puis il est mort quelques mois après. J'étais l'un de ses presque derniers visiteurs. C'est Hervé de Charette, je crois, qui a été le dernier du côté français. Et on avait dit, ben là, on va à l'échec. C'est le fameux rendez-vous à Genève. Vous vous souvenez, en 2000. Je ne sais pas ceux qui se souviennent de Genève, qui était un échec, et Clinton qui était complètement ébahi de voir, parce qu'on l'avait en fait trompé, que Hafez el-Assad n'allait jamais céder sur la terre. Voilà. Alors pour venir à la Syrie, quels sont les leviers de la France? C'est pas parce que nous sommes intervenus. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup d'interrogations. Autant on peut le comprendre quand il s'agit du Mali, enfin au moins au début, pour éviter que la capitale ne tombe aux mains de djihadistes. Autant notre contribution en Syrie avait-elle du sens? Parce qu'elle est tellement... Et puis nous dépendions tellement des Américains que finalement, même si nous avons évidemment des raisons de nous intéresser à ce dossier par la seule présence de djihadistes français, etc. Enfin bon. Mais je ne vois pas quels sont les leviers parce que, bon, il y a eu quelques erreurs. Notre politique n'était pas mauvaise parce qu'on a voulu s'impliquer dès le début. C'était à l'époque... ça commençait par Juppé et puis les différents ministres... sur la reconnaissance de l'opposition, un langage sévère, une tentation de celle de Macron, apparemment de renouer. Ça n'a pas fonctionné, le fait de ne plus avoir de relations. On n'est pas en rupture de relations. On n'a pas rompu les relations, contrairement à ce qui s'est passé avec l'Irak, du fait des Irakiens. Mais on a fermé l'ambassade. Ça a été, à mon avis, une erreur de fermer complètement. On aurait dû laisser une petite section d'intérêt, très modeste, ne serait-ce que... pour un peu, ne serait-ce que pour aussi se préoccuper du sort des... Je ne parle pas des djihadistes, des Français, des Franco-Syriens qui sont encore en Syrie, parce qu'il y a beaucoup de mariages mixtes, etc. Mais la reprise des relations, parce que pour vous dire, la reprise des relations diplomatiques, parce qu'il y a une tentation côté de l'Élysée, donc j'ai eu l'occasion, comme beaucoup d'autres, d'écrire là-dessus, même de temps en temps d'envoyer quelques notes pour dire que ce serait une erreur. Et ces députés, là... C'est quand même... Moi, je les ai appelés les pieds nickelés. C'est peut-être un peu dur. Et l'un d'entre eux, là, quand il est allé voir Bachar el-Assad, j'ai dit... Parce qu'il y en a un, je ne vais pas le nommer, que je connais assez bien. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, moi, je vous fais le rapport. Tout de suite, avant que vous partiez, voilà ce que va vous dire Bachar el-Assad. Parce que j'étais émissaire auprès de lui. Je vois très bien comment il fonctionne. Et c'est un homme qui n'a cédé, mais sur rien. Et pourquoi avoir un dialogue? Si c'est utile, oui. Autant c'était utile en Irak, par exemple, puisque nous n'avions pas de relation. Autant avec Bachar el-Assad, au-delà des horreurs qu'il a pu commettre, ça ne sert à rien. Et ce qu'il faut, c'est parler aux Russes, fortement, c'est de parler aux Iraniens. Mais le problème avec les Iraniens, c'est pas simple, parce que nous avons des relations avec le président, plutôt ouvert, son ministre des Affaires étrangères. Je ne sais plus s'il est démissionnaire. Il a démissionné, mais il est toujours en fonction. Mais en fait, la Syrie est plus tenue. C'est pas tellement les Russes, ce sont les Iraniens. Avant même, juste avant la révolution, je suis allé en Syrie. Et un ami syrien m'a dit « Tiens, je vais te montrer la présence iranienne extraordinaire. Ils achètent des quartiers entiers, la grande mosquée aussi chiite qu'ils ont créée, alors que les alaouites ne sont pas de vrais chiites. Une influence considérable. Et qui tiennent. Et puis donc, la Syrie est tenue par les Pasdaran, les gardiens de la Révolution. Et ça, on n'a pas de contact, on n'a pas de dialogue possible avec eux. Alors c'est donc extrêmement... Je ne vois pas quels sont les leviers. Simplement... Le discours est quand même très important, c'est de tout faire pour ramener le dossier syrien aux Nations Unies. Maintenant, qui parle du nouvel envoyé spécial, donc j'ai même oublié le nom, qui a remplacé Stéphane de Mistura, qui est un homme excellent. Et avant, il y avait Kofi Annan, et puis il y a eu aussi Lardar Brahimi. Les contrats étaient épuisés maintenant, et on ne parle plus des Nations Unies, alors qu'il y avait une feuille de route qui avait été... Il y avait une résolution du Conseil de sécurité qui, à l'époque, n'avait pas fait l'objet d'un veto russe. Et voilà. Alors pour la question israélo-palestinienne, alors évidemment, je partage. Il y a aussi des bouts de chapitre dans ce livre-là où je rappelle, je ne cesse de rappeler la centralité de la question israélo-palestinienne que l'on croit que l'on croit, même si ça n'apparaît pas pour les diplomaties, disons, le dossier le plus important, parce qu'il y a la Syrie, parce qu'il y a l'Irak, mais le dossier reste là. Et puis quand on voit avec la politique, on verra bien ce qui va se passer. C'est le 8 avril, hein, 9 avril, les élections. Ça risque d'être encore pire. Puis maintenant, on parle de manière très très claire de l'annexion des territoires, la situation à Gaza qui ne s'améliore pas, ce qui veut dire que on peut déjà anticiper. Si j'avais le temps de réfléchir, comme je l'avais fait pour la dernière de Gaza, que j'avais pu annoncer, c'est-à-dire on peut l'annoncer parce que la situation elle est escalée. Et là, il devrait y avoir peut-être effectivement une plus grande. Alors, je sais que Macron, je crois qu'il a une position, vous savez, globalement, sur tous ces dossiers du Proche-Orient, on est dans la ligne, ce que j'appelle, qu'on appelle souvent gaulo-mitterrandienne. Et c'est pas la ligne, disons, dite néocon ou occidentaliste, hein, qui était celle de Nicolas Sarkozy. Et donc, Macron avait le projet de se rendre sur le terrain, mais on voit, pour toutes sortes de raisons, la politique américaine, ce fameux plan américain qui dont on ne sait pas très bien s'ils vont en sortir. Et puis, il y a maintenant les élections israéliennes et puis une autorité palestinienne en plein délitement. Juste sous votre contrôle, Yves, parce que effectivement, il y a beaucoup de pages très intéressantes sur l'idée d'ingénierie diplomatique. Oui. Ce n'est pas seulement des proclamations et des discours, oui. C'est essayer de renouer des liens à partir de l'existant. Et c'est très important ce que vous dites, qui est très peu connu, c'est que la responsabilité historique de Ehud Barak a été considérable dans toute cette période, aussi bien avec le Liban, avec la Syrie, avec les Palestiniens. C'est un tout. Oui, oui. Mais sur le Golan, c'est incroyable parce qu'au bout de la discussion entre Barak et Hafez el-Assad, on ne discute plus que d'une chose, c'est comment on gère la question de la rive orientale du lac Tibériade. Oui, oui. Tout le reste est réglé. Oui. C'est-à-dire que Barak a accepté le principe du retrait total, oui, du Golan, que Hafez el-Assad a accepté le principe de trouver une forme de souveraineté de près à longue échéance, mais qui permettent effectivement... Et même les stations de préalerte. Des stations de préalerte, des chars israéliens qui peuvent... Oui. Circuler le long de la rive. C'est-à-dire, tout est réglé, ou quasiment. On est au bout. Et ce bout, Barak le fait sauter. Et il le fait sauter. Comme il fait sauter Camp David, assez largement. Pour des raisons électorales. C'est-à-dire, l'ingénierie diplomatique, c'est aussi de repartir de cette réalité historique. Par exemple, on en parle ici souvent, le droit au retour des Palestiniens, le gouvernement israélien l'a accepté le 12 mai 1949, l'a voté pour pouvoir être admis à l'ONU. Donc on nous dit jamais on a reconnu. C'est pas vrai. Mais attendez, en toutes lettres. Mais à Camp David, et surtout je crois plutôt à Tabat, mais ça avait commencé à Camp David, c'est-à-dire les Israéliens, enfin, au moins disaient-ils, les Américains étaient d'accord, acceptaient le principe du droit au retour, on en était là, mais qu'il fallait gérer en quelque sorte. Et même les discussions portaient sur le nombre. Mais c'était 10 000 ou 15 000 Palestiniens qui seraient autorisés à revenir sur ce qui est, disons, le territoire israélien reconnu par la communauté internationale. On en était là. Alors maintenant, évidemment, on ne peut plus parler de ça, on ne peut plus parler de Jérusalem. Et alors notre langage, le langage européen, bon pour l'instant, sauf que maintenant peut-il y avoir alors, la grande faiblesse, parce que sur la position de la France, elle ne peut pas avoir une position sans entraîner les Européens, parce que ça a été notre politique. Toutes les grandes résolutions, je ne veux pas mettre en valeur ce qu'on a pu faire là, les uns et les autres, toutes les grandes résolutions européennes ces dernières décennies, ça passe de la déclaration de Venise, la déclaration de Berlin, dont j'ai été l'un des concepteurs, sur la viabilité de l'État palestinien, sur lequel on envisageait la reconnaissance en due time, comme on disait. Bon, très bien, ben, ça vous rendez compte, c'était 1999. Eh bien, il y a eu une autre résolution en 2008 sous présidence suédoise. Elles étaient toutes d'initiative française. Nous avions la capacité d'entraîner les Européens. Mais maintenant, ça devient impossible, sauf à imaginer un groupe qui comprendrait l'Allemagne. Mais enfin, qui a toujours des... Parce qu'il y a Orban, il y a Kaczynski, il y a Kurz, il y a Salvini... Le groupe Visegrad, là, qui voulait se réunir à Jérusalem, qui ne s'est pas réuni parce que, bon, il y a eu d'autres problèmes. Et c'est ça. Alors maintenant, c'est extrêmement, extrêmement difficile, sauf à imaginer, il faudrait qu'il y ait un drame absolu et qu'à ce moment-là, la communauté internationale, et notamment la France, puisse réagir. Simplement, le seul reproche que je ferais, quand il y a plus de colonies, etc., éviter de dire maintenant à ce stade, on déplore. Ce qu'il faut dire de manière, on condamne. C'est là, on condamne par rapport aux résolutions du Conseil de sécurité. Par exemple, sur le Golan, les déclarations ont été à minima. On dit « ben, notre politique est toujours la même. C'est la résolution 242, c'est la résolution de 1980. » Donc le caractère inacceptable de l'occupation des territoires, c'est tout. Il n'y a pas un vrai langage politique qui puisse frapper les opinions en France et en Europe. Voilà. Bonjour. Alors j'ai lu votre livre, je l'ai dévoré, j'ai adoré ça. Et j'avais juste deux questions. J'ai découvert, enfin j'ai été frappé en lisant le livre, que finalement ce réseau diplomatique qui participe pleinement à la grandeur de la France et à son rôle central dans le grand jeu quoi, du monde, échappe complètement en fait, au contrôle démocratique. En fait. Ça m'a surpris. J'aurais bien aimé avoir votre point de vue là-dessus. Et puis à la fin du livre, vous parlez des évolutions du métier. Et je fais un lien avec tout le long du livre où vous expliquez aussi que bah, finalement le rôle de l'ambassadeur, c'est aussi de développer les intérêts économiques et commerciaux, les intérêts économiques et commerciaux de la France. Et dans un certain nombre d'exemples d'entreprises dont vous parlez, c'était des grandes industries françaises qui appartenaient à l'État. Et avec les grandes vagues de privatisation, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez aussi du coup de l'évolution que ça donne au rôle d'ambassadeur, puisque du coup, il devient le défendeur et le protecteur d'intérêts privés. Et en plus, avec des groupes qui sont devenus internationaux, donc qui sont même plus finalement tant que ça précisément français, quoi. C'est-à-dire, c'est les intérêts d'entités un peu anonymes, quoi. Voilà, je voulais avoir votre sentiment sur ces deux questions. Très bien compris sur le contrôle démocratique. Qu'est-ce que vous en faites ? Il y a le contrôle, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Il y a... Bah, en tout cas, oui, ce que j'ai découvert dans la relation que vous expliquez, c'est que finalement, la relation des ambassadeurs, elle est très unilatérale entre le président ou le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur. Très rarement, vous parlez justement d'échanges avec l'Assemblée nationale ou avec le Sénat. Si, on a... D'abord, non, ben ça, je... Oui, pardon ? Non, il y a des résolutions, puis il y a des contacts. Les ambassadeurs sont auditionnés, ont des contacts parce qu'il y a des missions parlementaires, hein, sénatoriales ou de l'Assemblée nationale. Et donc, il y a une... Quand j'étais directeur NMO, ben, souvent, je planchais devant les différentes commissions. Et voilà, donc, ce contact se fait. Il y a le contact aussi avec des ONG, même des ONG qui... parfois critiques, quand j'étais en Tunisie, et qui parfois d'ailleurs étaient remises dans l'avion. Donc je passais mon temps à les défendre hein, pour s'assurer que les choses se passent bien. Enfin bon, Monique Giga le sait très bien. Et voilà donc. Alors concernant, on est là pour défendre les intérêts de la France d'une manière générale, et donc des positions de l'État français sur les grands dossiers internationaux. Il y a le domaine bilatéral, il y a la coopération, il y a aussi la protection aussi des communautés françaises et aussi la défense des intérêts économiques et commerciaux, bien entendu, comme le font toutes les diplomaties. Hein. C'est universel. Alors il y a simplement un discernement de la part de l'ambassadeur. On ne va pas aller défendre des entreprises, justement, qui peuvent apparaître douteuses. Mais un ambassadeur, par exemple, il va défendre des contrats, par exemple, d'Airbus. L'Airbus n'est pas que français. Hein, et, bon, nous avons un rôle éminent hein, dans la négociation des contrats, mais on n'est pas les seuls. Et souvent, on travaille avec les Européens, mais parfois des partenaires, parfois on est en concurrence. Et moi, j'ai vu Quand j'étais en Tunisie, c'était extrêmement difficile parce qu'il y avait un système de prédation du régime de Ben Ali sur des entreprises franco-tunisiennes qui marchaient bien, parce qu'il y avait de l'argent à gagner. Et bien, de là, j'intervenais fermement et en général, ça s'arrêtait, sans désigner, parce que je savais que c'était la famille de Ben Ali. J'allais voir le ministre en question. Du fait qu'il savait que je savais comment les choses se passaient, il en parlait au président Ben Ali. C'est ça un peu le quotidien, si vous voulez. Mais là, en effet... Mais on n'a pas effectivement à défendre. Ce sont des intérêts un peu douteux. Mais on est aussi, quand il y a des intérêts privés, d'entreprises privées qui veulent s'implanter, eh bien, c'est normal que nous puissions la défendre face à la concurrence qui peut venir de tel et tel autre pays. Pardon, juste pour... Vous dites c'est normal, mais pourquoi vous dites que c'est... Enfin, c'est quoi que vous appelez c'est normal ? C'est normal, mais vous voyez, dans toutes les diplomaties, que vous soyez chinois, russe, italien, etc. Ah non, mais ça veut dire que c'est la pratique. Mais non, mais c'est la pratique. Ça fait partie du rôle. Et d'ailleurs, quand vous voyez la Convention de Vienne, c'est inscrit là-dedans. C'est dans le rôle de tous les diplomates. Mais il doit faire preuve de discernement. Ben, je vous ai cité, par exemple, des espèces de réseaux politico-commerciaux que j'ai retrouvés en Irak, de gens qui venaient en disant, vous voyez, nous soutenons la levée de l'embargo. Et puis derrière, il y avait les entreprises. Et puis je voyais quelles entreprises qui détournaient les résolutions ou qui s'apprêtaient à le faire. Là, je jouais un rôle. Parce que je disais à Tarek Aziz, ça, il nous écoutait. Parce qu'il voulait avoir une relation extrêmement étroite avec la France. Il y a une perspective, la reprise des relations diplomatiques. J'étais écouté quand... alors probablement pas tout le temps, parce qu'après, il y a eu des... Et là, il peut y avoir un rôle important. C'est normal que nous défendions tous les intérêts de la France, qu'on est l'ambassadeur de France. On représente l'État et aussi, sans être le représentant, bien entendu, le représentant de telle et telle, disons, entreprise. Hein. Mais si elle a une difficulté, on peut intervenir, si... mais à bon escient. Il faut faire preuve de... Yves, je ne veux pas me faire l'avocat de Côme, mais c'est vrai qu'on a un problème avec la mondialisation, qui fait que toute une série d'initiatives qui avaient autrefois un caractère exclusivement géopolitique ou stratégique deviennent des initiatives à caractère commercial, économique. Je prends par exemple la vision de la guerre d'Irak de 2003 que nous avons en France. Elle est tout à fait juste. C'est une vision politique, géopolitique, etc. Mais quand on va aux États-Unis, on s'aperçoit que certains critiques de cette guerre aux États-Unis ont une vision complètement différente qui met en avant essentiellement les intérêts économiques qui ont été au premier rang des préoccupations non seulement de Bush, mais de toute son équipe, avec des entreprises qui ont fait des fortunes dans la gestion de l'occupation de l'Irak. Oui. Donc c'est vrai qu'on a un mélange de plus en plus fort des éléments politiques, géopolitiques et des éléments strictement économiques. Quoi. Monique Cerisier-Benguigua, ex-sénatrice. Il ne faut pas faire d'angélisme. Il faut absolument que les ambassadeurs de France défendent les intérêts de la France. Et c'est quelquefois, en effet, des intérêts économiques, parce qu'autrement, on se fait tondre la laine sur le dos par nos amis italiens, moi j'ai connu ça en Tunisie, ben voilà, par nos amis allemands, etc. Américains. Européens comme nous, mais qui ne manquent pas une occasion de nous nuire. Non, ce qui est grave, c'est quand, je l'ai vu en Afrique, mais je le vois aussi en Israël, un ambassadeur de France devient non pas l'ambassadeur de France au Gabon, mais l'ambassadeur de Bongo à Paris. Et que l'ambassadeur de France en Israël, version masculine ou version féminine, j'ai connu les deux cas, devient l'ambassadeur d'Israël en France. Mais en ce moment, on a un ambassadeur en Israël ? Je préfère me taire. Voilà. Oui, la question se pose. On termine avec la dernière question, parce que c'est l'heure. Oui. Allez-y. Bonjour. Merci pour cette présentation très intéressante. J'aurais une question par rapport au témoignage que vous avez fait sur le Tchad. Comment s'articule particulièrement la relation entre un ambassadeur et les représentants des services de renseignement sur place ? Et vous parliez de réseaux politico-affairistes. C'est peut-être un schéma qu'on retrouve dans plusieurs pays. Et à quel point ces réseaux-là sont en lien avec le monde politique et qu'est-ce qui justifie leur présence dans les pays extérieurs Qu'est-ce qu'ils y font concrètement? Alors vous posez la question avec les services, ça varie évidemment selon, mais les choses ont beaucoup évolué dans le bon sens. D'ailleurs, parce que vous avez remarqué qu'il y a actuellement un diplomate qui est le directeur général de la DGSE, c'est le 3e diplomate. Alors certains disent que c'est une OPA du Quai d'Orsay sur les services de renseignement, mais on travaille en bonne intelligence. Et parce qu'il y a d'abord de très bons analystes, et puis bon, ils font leur métier, mais ils doivent être transparents vis-à-vis de l'ambassadeur. Moi, à l'époque, c'était en 91, c'était pas le cas. Et parce que j'avais quelqu'un qui avait accompagné Idriss Déby dans sa conquête du pouvoir, on pouvait le comprendre, parce qu'il s'agissait de se débarrasser d'Hissène Habré, et il y avait une opposition extrêmement forte, et donc on l'a aidé. Mais après, donc, cet homme qui l'a accompagné dans la conquête du pouvoir est devenu son conseiller spécial. Donc il était forcément en concurrence avec l'ambassadeur. Et puis parfois, il y avait des messages qu'on faisait passer. Une fois, j'ai failli te rappeler parce qu'on avait dit une note que j'ai vue grâce à une complicité à l'Élysée en disant l'ambassadeur de France, Yves Aubin, n'a plus de contact avec le président Déby. Ça venait des services. Ça, il n'y a pas de doute. Et ce qui était totalement faux. Et parce que... De toute façon, moi, j'estimais un ambassadeur en Afrique, même aujourd'hui, qui n'a plus de contact avec le chef de l'État, il doit partir. Et de lui-même, de dire ben, « j'ai plus de contact », ce qui était faux. Donc on a ces difficultés. Et concernant tous ces réseaux politico-commerciaux, eh bien, il faut savoir... Et c'est peut-être le vrai courage des ambassadeurs, pas un courage physique, c'est un courage de dire les choses par écrit. Et là, je peux vous dire qu'après les différentes années, à tel et tel niveau, dire « oh là là, l'ambassadeur, il y a une trace ». Donc faire très attention. Et quand je dénonçais ces réseaux, parce que je les ai véritablement dénoncés. Et puis à un moment, quand j'étais trahi par l'un de mes collaborateurs, ben, j'ai pu obtenir son rappel en 15 jours. Si je ne l'avais pas obtenu, je partais. Et puis ils se sont dit, tiens, ben, ce sera embêtant qu'il parte, l'ambassadeur, parce qu'on a peut-être besoin de lui pour avoir une meilleure appréciation de la situation et la mise en œuvre des projets de coopération. Alors simplement pour revenir sur l'Italie, je vais vous dire une chose. Par exemple, il y avait un grand contrat sur le métro aérien de Tunis. On était en concurrence avec les Italiens. Qu'est-ce qu'a fait mon collègue ? Je ne sais pas si je le mets dans les... Mon collègue italien, il a filé le rapport sur les droits de l'homme que nous faisions au titre de l'Union européenne. Hein, au titre de l'Union européenne, c'est une obligation. Alors évidemment, on sait très bien qu'il est rédigé par la France, parce que nous avions un tel réseau de relations avec les Tunisiens qu'on avait une meilleure connaissance. Et puis moi, j'étais en contact avec toutes les associations. Et alors donc, on rédige ce rapport. Je suis convoqué par le ministre des Affaires étrangères qui me demande de venir seul. Alors, à plusieurs reprises, ça veut dire là, il y aura des remontrances. Bon. Et puis, il me dit... Bah, il avait le rapport. Il me dit, mais monsieur, voilà, nous sommes... voilà, un peu... On sait que vous faites un bon travail, vous aimez... Mais enfin, tout de même, vous avez des collaborateurs qui écrivent... Parce que c'était un rapport qui était... pas tellement critique, mais qui était critique, là, bien entendu, sur la question des droits de l'homme. Et après, alors moi, je lui ai rappelé la Convention de Vienne, et puis je lui ai dit, monsieur le ministre, vous avez ce rapport, vous n'auriez dû jamais l'avoir, parce que c'est un rapport confidentiel, qui est un rapport de l'Union européenne. Et alors, après, ben, j'ai su que c'était l'ambassadeur d'Italie qui l'avait filé. Pourquoi ? Parce que nous étions en concurrence. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que finalement, on a eu le contrat. Et Ben Ali, c'est marrant parce que Ben Ali avait tenu à me le dire directement au cours d'une séance. Monsieur l'ambassadeur, ne vous inquiétez pas. Vous êtes les meilleurs. Vous aurez le contrat. Et effectivement, nous étions les meilleurs. Donc ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, c'est là où finalement on se tourne dans la situation à devoir défendre des intérêts. Mais vous racontez aussi sur l'Italie des reproches réciproques de prise d'intérêt dans les économies de ah oui, la des France OPA. Et de l'Italie. Absolument oui. Incroyable. Non, mais c'est d'ailleurs la crise, oui, parce que la seule crise... Parce que comme je suis un spécialiste de la gestion des crises, en quelque sorte, heureusement, parce que j'ai failli m'ennuyer... pour ça, pour ceux qui liront le livre, je cite Romain Gary... et de l'ennui que peut ressentir un diplomate dans un pays européen. Mais enfin, lisez-le, vous verrez, c'est assez amusant. Et j'ai failli m'ennuyer hein, donc à Rome parce que le rôle de l'ambassadeur n'est pas aussi central, il n'est pas au cœur de la relation. Et donc ça ne présente pas un intérêt considérable. Hein, et puis alors oui, il y a eu une OPA non hostile d'un groupe électrique sur Suez. Et c'est là où Dominique de Villepin... a inventé le concept de patriotisme économique. Et alors, avec une violence telle que j'ai eu des problèmes avec la presse italienne, Prodi, qui était dans l'opposition, m'appelle « Monsieur l'ambassadeur, vous avez acheté la moitié de l'Italie ?» Et alors non, moi qui suis alors, c'est là un diplomate peut être de mauvaise foi, parce que j'ai fait aussitôt une étude pour montrer que les intérêts financiers et économiques étaient entre la France et l'Italie réciproquement étaient assez équilibrés. Mais là où j'étais de mauvaise foi, c'est que nous, nos OPA, c'était dans un domaine très stratégique, c'était la banque et l'énergie. Tandis que l'Italie, c'est souvent la grande distribution, les marques, etc. Mais ça avait valu une crise. Et là, donc, moi, j'étais plutôt le défenseur d'intérêt italien de Enel. Parce que je dirais... Mais et après, quand Prodi est devenu président du Conseil, on a eu... Alors qu'il avait une très bonne relation avec Jacques Chirac. Ce n'était pas le cas de Berlusconi. Et Prodi nous en avait beaucoup voulu dans cette affaire-là. Et on a eu des difficultés dans des opérations tout à fait non hostiles, de rachat d'intérêts italiens par la suite. Une dernière question. Oui. Bonjour. Pardon. Bonjour. Bonjour. Je n'ai lu qu'une petite partie de votre ouvrage que j'ai eu entre les mains il y a 2 jours sur Gaza. Mais pour revenir à la question palestinienne, il est clair pour beaucoup de monde, enfin pour moi en tout cas et certains, que la solution à 2 États est morte et enterrée. Alors, à partir de là, est-ce qu'il y a un chemin, une solution pour le rôle de la France et de l'Europe, mais de la France surtout, dans cette perspective-là? Voilà. Alors, on dit effectivement, on voit très bien que la solution de 2 États, qui est la solution qui est défendue par la majorité des nations, hein, on le voit, donc... côté américain, il y a une certaine ambiguïté. Il ne serait pas forcément totalement hostile à un État palestinien, mais alors croupion. Enfin, ce serait... Et puis sans Jérusalem, enfin, ou alors ce serait à Boudis, la banlieue de Jérusalem, qui deviendrait la capitale partagée. Enfin bon, toutes sortes d'opérations qui ne... Et disons, parce qu'on ne voit pas d'autres solutions. Et bon, je vois rarement maintenant les Israéliens, parce que je suis sur beaucoup d'autres dossiers. Mais les rares que je vois disent « Mais vous allez vous transformer en État d'apartheid ». Oui, enfin, déjà... Non, mais légalement. Non, non, non. Et effectivement. Alors, ce qui est très intéressant, parce que moi, quand je parle d'apartheid, je me fais... oui, c'était un aparté, l'émission avec Fitkelkraut, je ne crois pas que c'était enregistré, ça. Et, mais la réalité, c'est que le terme apartheid, il est utilisé par de nombreux Israéliens. Bien sûr, oui. Et ce n'est pas uniquement les Sternel, les Shlomo Sand, ces grandes figures. Et puisque même Ehud Barak a parlé de ça. Comment il s'appelle, l'ancien président de la Knesset ? Bourg. Bourg aussi parlait. Mais ça va être une réalité. Est-ce que c'est acceptable, ne serait-ce que pour l'avenir d'Israël, qui se transforme en État d'apartheid à l'intérieur de l'État, puisque maintenant on voit que la communauté arabe qui est stigmatisée, c'est l'ennemi intérieur. Et c'est comme ça que Netanyahou arrive à attaquer son concurrent, là, le général Gantz. Et donc c'est une évolution. Et c'est là aussi qu'on pourrait, nous, dans notre langage, le rappeler, ce que nous pensons. Et puis maintenant, on voit que Netanyahou s'allie avec, effectivement, tous ces pays européens, populistes, nationalistes, etc. Donc, mais la solution, je n'en vois pas d'autre. Parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui disent, mais après tout, seul État, mais à condition que nous ayons les mêmes droits. Mais ils n'auront pas les mêmes droits, d'ailleurs, parce que la réalité qui se construit là actuellement sur Israël, État-nation du peuple juif. Ce qui choque beaucoup, d'ailleurs, beaucoup de Juifs, hein, parce qu'ils ne doivent pas... État-nation du peuple juif. Donc, déjà, on exclut cette très forte minorité arabe-israélienne. Bon. Si cette minorité devient 40-45% de la population... Oui. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas d'un État unique. Si vous faites un État unique, c'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. On rentre dans le clash... On y va. On y va tout à l'heure. Oui, on y va. Oui, oui, on y va. Merci infiniment, Yves Aubin de la Messuzière. C'était passionnant.